Travail du passeur. Mise en place. Dans une moitié du terrain, en place, trois attaquants, un en poste 3, l'autre en 4, le dernier en poste 6. Deux passeurs, un en poste 3 et l'autre en 2. Un libéro avec un ballon en poste 1, l'entraîneur avec un caddie. Déroulement. Le libéro envoie la balle au passeur en poste 3. Celui-là effectue une passe vers le passeur en poste 2. Ce dernier la renvoie vers le libéro. Et ainsi de suite, le ballon circule entre eux sans arrêt. À chaque fois que le passeur en poste 3 touche la balle, l'entraîneur lui envoie un ballon en situation maximale et lui annonce le choix de passe. Ce dernier effectue une passe en 3, en 4 ou en pipe, puis reçoit la balle qui vient du libéro et ainsi de suite.